Et oui, j'ai direct balancé une ROM avant même l'intro du stream, parce que je suis comme ça, moi. C'est hop, on avance, on enquille. Pourquoi? Parce que j'ai vu un truc qui s'appelait Viper Fest, j'ai fait ça, c'est un shmup. Rien qu'au nom, c'est un shmup, c'est obligé. Et il y a un gros compteur qui est en train de se charger là, je sais pas pourquoi. Donc peut-être c'est une ROM gigantesque qui cache un jeu extraordinaire que nous ne connaissions pas jusqu'ici. Serait-ce le jeu du siècle? Nous le saurons tout de suite après la pub. Alors le compteur on est à 820, 815, 810. Donc vous voyez la vitesse, il va falloir que je meuble donc, j'aurais dû le lancer hier en fait ce jeu. J'espère que c'est exactement ce que je pense. Alors il y a une autre probabilité aussi, et c'est pour ça que je vais meubler, parce que il me reste quasiment 5 minutes à meubler, c'est ça la vitesse où ça va. L'autre possibilité, c'est que ce soit un jeu relativement avancé qui marchait avec une cabine, et ça m'emmerderait un peu parce qu'on n'aura peut-être pas tous les devices mappés sur la manette, et ce sera pas jouable. Et je sais qu'il a existé quelques shooters impressionnants en version cabine avec des vérins hydrauliques carrément pour les faire bouger, tourner dans tous les sens. Je vais en profiter pour faire mon test image, comme ça vous verrez le compteur avec moi, ça fait comme le compteur de la défunte chaîne, mais. Même pas en hexa, c'est même pas drôle. De toute manière, je n'ai pas ma capture apparemment. Alors, je vais vous raconter pourquoi la capture ne fonctionne pas hein, le temps que ça continue d'avancer. Je vais capturer le mélangeur de volume. Non, c'est une très mauvaise idée ça. Hop. Allez, dis-moi qu'on est copains maintenant. Parce que s'il faut que je relance le jeu et qu'on reattende 800 secondes, il va y avoir un vrai gros problème. Comment ça, je fais exprès? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Alors, il faudrait peut-être que je capture n'importe quoi pour qu'ils prennent le bon, je sais pas. Je vais capturer mes tweets. Non, ça ne marchera pas. Je vais capturer. Non. Viper phase 1. Pourquoi ne veux-tu point apparaître sur cet écran? Faire au moins voir ton beau compteur. Parce qu'il est beau ce compteur, 430. Si c'est pas un shooter, je me pends. On va appeler ce stream le stream du suspense. Le stream de la très très haute pression. Le stream de. Tu sais pas si t'as bien fait en fait. 366. Alors je vais faire danser un petit singe et un monsieur va passer avec un chapeau devant vous. N'oubliez pas, hein, si vous voulez participer au soutien de ce stream, il n'y a pas de Tipeee encore, rien pour le financement. Ceci dit, je sais pas, envoyez-moi des clés de jeu déjà, c'est sympa. Des joysticks aussi, parce que je commence à en bouffer pas mal. J'accepte tous les cadeaux en fait. Et puis juste un petit commentaire aussi, c'est bien, ça suffit. Il n'y a pas besoin de claquer du fric. 250. De toute façon, ça va être un shoot, mais du coup, j'aurai pas l'image. Il va falloir que je sorte de la ROM, que je sorte de l'émulateur et que je relance tout et qu'on réattende 800 secondes. Très sérieusement, il faut que je trouve un instrument de musique parce que si c'est le cas, je vous joue un morceau. Même avec un instrument dont je ne sais pas jouer. Il me reste 170 pour trouver un instrument de musique. Non, mais moi, j'improvise et je m'adapte à tout. C'est ça le gros. Alors, c'est un avantage pour moi, mais les gens disent souvent que c'est un défaut. Je ne sais pas pourquoi, aucune idée. J'avais pas une guimbarde qui traînait, moi. Non, ça fait pas de bruit. Non, ça non plus, ça ne marchera pas. Ah, 90. Quel suspense! C'est insupportable. Là, ça va vite. C'est plus rapide que des secondes. Ça fait trois chiffres en une seconde. Viper Phase 1. Est-ce que t'es un shmup? Est-ce que tu vas t'afficher? Ah!
En fait, c'était un update de cette ROM qui n'a jamais été lancée et qui a donc dû trouver son fichier complémentaire. Switching off. Faut pas que je joue avec les DIP, ça va pas marcher. Ok, on va dire que t'as raison. Tu me fais ton reset? Non, faut que je sorte. Ok. Bah, ça tombe super bien du coup, parce qu'on va pouvoir vérifier si j'ai le retour du jeu, parce que ça serait mortel de repatienter un décompte de 800 pour se rendre compte quand même, benoîtement, que ça n'a servi strictement à rien. Tadam. Putain, vous l'avez pas, je suis dégoûté. Ah, par contre, il se lance. Alors, capture du jeu. Espèce de pathétique gros tas de 2. En plus, c'est un shoot 3D. On n'est pas passé loin, les gars. Alors, je suis désolé pour cette intro à rallonge. J'avais pas prévu qu'il fallait updater le bousin. Au moins, ça prouve que je suis de bonne foi et que ces shoots, je ne les ai réellement pas parcourus. Quand je dis que je les ai pas parcourus. Alors pourquoi il y avait une espèce d'intro en 3D? Le truc n'est pas en 3D, hein, encore avec des bons vieux bitmap, compte de la gueule en plus. Le jeu a l'air bien nerveux. Et le principe a l'air bien classique, hein. Je pense pas que c'est dans cette session qu'on va voir qu'il y a eu une invention majeure. Petit power-up. Petite pattern un peu perve. Oui, on est en 1995 ou 96, hein, je ne me rappelle plus. Donc, ça explique que c'est un phénomène qui se développe pas mal. Les gens disent, tiens, ça marche bien de faire des patterns de fou aux gens. Ils aiment bien ça. Et puis, les alimentations de bonus en continu pour vite remonter l'armement, pas être complètement dépendant d'un tir qui fait piou 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 alors qu'on est au troisième niveau et qu'il y a des gonzes qui tirent de partout et qui explosent dans tous les sens. Il y a une belle cohérence, ça se trouve, on a un super programme. Allez, on y va. Bon, j'ai pas de tir appuyé. Oh, comme c'est tout très fin, c'est mignon. Il y a plein de trucs qui bougent, c'est sympa. Alors, comment ça marche, mes histoires de bonus, Kiki? Parce que j'aimerais bien avoir un tir qui me donne l'impression d'être un mâle, un vrai. Tu vois le truc que je veux dire? Non. Ok, c'est pas grave. N'empêche, j'aimerais bien. Alors, tu me diras, j'ai pas essayé tous mes boutons, tu me diras. Il est vif, le bourre! Bon, bonne nouvelle, autant laisser l'autofire. Missile, très bon missile. Oh, j'aurais dû me monter le retour de la musique. Ça a l'air pas mal sympa. Mais je pourrais rien en dire parce que j'entends vraiment pas grand-chose. Il est vraiment mignon ce truc. Bon, c'est un petit peu. Les puristes diront, ouh, ça manque un petit peu d'anti-aliasing. Et ils n'auront pas tort. Mais, qui est-on pour exiger de l'aliasing de partout dans tous les jeux? Surtout quand ils sont pas en 3D. Hein? Alors, c'est dommage qu'on puisse pas plus moduler le tir. C'est le seul petit reproche que je vais lui trouver à ce truc. C'est pas pour moi ce qui arrive au fond, dites-moi. Non, ça va bien se passer. Là, je crois que je vais inaugurer la bombe. Bon, pas très long. Bon, il a pas été bien méchant, le pépère. J'ai même pas testé ma bombasse. Alors, espérons que ça va vraiment se compliquer pour moi au deuxième niveau.
C'est ce qu'on attend tous fébrilement en secret. Je confirme. Il y a de la fougue, il y a de la fougue. Dirais-je qu'il y a de l'authenticité et... voir quelque chose qui se rapproche de la témérité aussi? Peut-être. Ouh, il fallait que je la place, ma bombe. C'était la bonne excuse. Et j'étais en train de me faire coincer dans le côté là-bas. C'est pas terrible. Calme-toi, petit scarabée, calme-toi. Pense à m'aimer. Il est vraiment sympa ce truc. Alors, je le mettrai pas au musée, quoi, ni dans la fameuse malle au grenier. Il ne mérite pas cet endroit-là. Il va être sélectionné d'emblée parce que, ouais, il a son petit style à lui. Il est sympa, il a une bouille, il a une jouabilité. Au deuxième niveau, comme demandé, il commence à me faire un peu serrer les fesses, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de mieux? Alors oui, de l'originalité, mais... Allons-y, mollo. On est en 95, le gameplay est en train de se chercher sur le renouveau des Manic Shooters et autres choses qui vont commencer à envoyer de la boulette, comme on dit. Donc, on n'est pas dans la période où les gameplays ont été clairement définis et optimisés pour devenir vraiment marrants. Mais bon, déjà là, on a des petites trames de boulettes qui sont quand même bien sympatoches. Hein. Et la musique, je persiste, a l'air pas mal derrière. C'est dommage que j'ai pas le retour fort, je radote. Mais non, je radote pas, c'est juste que je l'ai déjà dit avant. T'as déjà dit quoi? Je sais pas, je me rappelle plus moi-même, j'ai Alzheimer, je crois. Ah, mais c'est pas ce fameux stream où tu parles de cette phobie de Alzheimer. Non, c'est le précédent. Ah, tu vois, je me rappelle. Comment tu sais pour le Alzheimer? Bon, je m'occupe un peu parce qu'il est quand même très classique et c'est pour ça, je pense, qu'il n'ira pas dans le top. Oui, il n'y a pas les étincelles de magie qui vous font dire « Ah, j'ai mal encore !» Parce que le shoot, c'est un petit peu ça. Ce qu'on préfère, c'est ceux où c'est pas encore nous le maître. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. On va aller jusqu'au boss. Que wali walou. C'est bien, il arrive à l'heure, lui, en plus. On avait dit quoi? On avait dit écart, c'est ça? Ouais, bah, t'es nickel, bouge pas, change rien. Tu vas me faire une misère? Ok. Je peux t'en faire une à mon tour? Ok. À moi. Je suis démarqué, regarde. Hop. Hop, tu la vois? Tu la vois plus. Comment ça, j'aurais dû garder ma bombe? Bah non, 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 non. J'aime bien le risque. Oui, elle est pas très souple dans les déplacements, ça arrive. Le coup de la boulette toute seule, vous vous jetez dessous, c'est quand même pas mal. Reste en bas si t'es pas bon. Reste en bas si t'es pas bon et attends ce qui se passe. Ah dommage, je voulais le one credit. Comme d'hab, hein, on va pas s'emporter. Je passe les vies restantes et puis on arrêtera le stream là-dessus. On a tout dit sur ce jeu qui est sympatoche. Très agréable, qui correspond bien à son époque, 1995. Et qui est encore praticable aujourd'hui. Et en plus, qui a l'air d'avoir une super BO, mais je l'entends pas, je vous l'ai pas déjà dit ça, non? Tu te souviens? Allez, ça recommence. Non! Alors c'est bizarre, j'ai pas un tir alternatif. Merde, le temps de tester mon autre bouton. Non, on va pas continuer, amigo. Nous nous sommes bien amusés, c'était génial. Merci. Rentre chez toi. Crème au beurre. Viper Phase 1, tu es totally validé. Par contre, tu resteras dans le quelconque de ces jeux sélectionnés. Puisque dans la même catégorie, on en a d'autres qui valent bien mieux que toi. Et voilà, voilà.
Je me retrouve demain à 19h. Notez ce petit truc qui apparaît là. Et c'est une grosse playlist, ça. Il y a pas mal de trucs à voir. Je vous le recommande. Sinon, vous avez celle-là. Et là, c'est régime boulette à fond. Régalez-vous. À demain 19h. Ciao.